Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Euro Truck Simulator 2. On va lancer la radio parce que j'ai oublié, mais on va le faire, je vous rassure. Si ça veut bien, allez, allez. Je sais que j'ai déjà autorisé zone alarme, voilà. On clique sur conduire et on y va. Ouais, est-ce que j'ai le droit de conduire cette fois? Ouais. Allez, je suis à combien de milliers de kilomètres de ma destination, juste pour rire? 427 km, ça va? Je pense qu'on peut finir durant cette partie. Je suis toujours avec mon fameux volant, hein. Bon bah merde, hein. T'avais qu'à freiner. Voilà. Je passais, j'étais déjà bien engagé, l'autre il arrive comme un malade, alors c'est bon, hein. C'est sa faute, c'est pas la mienne. C'est bien connu. Alors j'avais mis sur quoi l'accès le... Voilà. Ouh, on arrive à un péage. Ça faisait longtemps que j'étais pas arrivé à un péage, tiens. Freine, 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 freine! Ouais, bon. Et ben voilà, hein. Bon, j'ai plus le retour de force sur le volant depuis que je suis passé à Windows 10, c'est con. Ma foi, je le ressens. Ça réagit toujours pareil, hein, de toute façon. Mais c'est bien dommage, parce que ça me plaisait bien ce retour de force. Ça doit être un driver manquant ou une saloperie du genre, hein, c'est pas... Ah bah oui, j'ai oublié de réactiver le... Le logiciel qui venait avec le volant, là, Logitech Driving Force Pro ou un truc du genre. Werbung. 2015 werden weltweit circa eine halbe Billion Apps runtergeladen. Unglaublich, oder? So unglaublich wie unsere Urlaubsdeals. Si quelqu'un a aussi une solution ou un logiciel de rechange pour utiliser, pour enregistrer avec la webcam, je suis preneur parce que le logiciel de la webcam utilise une telle quantité de mémoire, c'est juste hallucinant. Sportallrounder.de. Il utilise 20% du processeur à lui tout seul, là, juste pour enregistrer une putain de vidéo webcam. Ça fait un peu mal au cul quand même, hein. Bon, ça m'empêche pas de faire une vidéo, c'est clair, mais voilà. Hein. Hey, cool. Je crois que je vais prendre début vidéo capture software, au moins lui m'emmerdait pas. Ouais, je vais rouler à 120, hein, parce que je sais que je peux rouler jusqu'à 130, mais en général 130 avec une remorque, je sais pas pourquoi, c'est assez meurtrier. Ah ouais, le petit bruit que vous entendez derrière, c'est le bruit du ventilateur, hein. Il recommence à faire chaud par ici, et donc je peux pas vraiment jouer sans ventilateur. On voit qu'il y a Blue Eagle SCB qui joue à 7 Days to Die. Ah merde, c'est 90 ici, putain, j'ai mis tellement de temps à accélérer. Faites chier. Ouais, sans le retour de force, c'est moins palpitant, je dois dire, mais bon. Je veux dire, jamais joué avec le retour de force avant. Putain. Sympathisch, clever, gut. J'ai pas envie de louper la sortie. Donc on va faire un truc con. Un truc très con. Mais voilà. Ça marche, y'a pas de soucis, j'y arrive. Ah putain. Ouais, je sais qu'il y a du monde en face. Je vais reprendre l'autre côté de l'autoroute très vite. Si j'ai l'occasion, je roule à contresens sur l'autoroute, les gens. C'est pas magnifique tout ça? Salut, je suis un camion. Ça vous intéresse? Ah ouais, je suis complètement en contresens là, mais rien à foutre. C'est pas grave, j'ai juste à éviter les voitures qui arrivent en face. C'est quand même la première fois que je le fais dans le jeu, hein. Rouler à contresens. Oui, infraction de contresens 100 €, je sais, hein. Je suis en train de risquer la vie de tout le monde. J'aimerais bien que les barrières s'arrêtent là, que je puisse passer. Oui, là, les barrières s'arrêtent. Je vais juste aller là. Je vais juste passer de l'autre côté. Voilà. Il s'est rien passé. Absolument rien. Vous n'avez rien vu, hein. J'ai roulé parfaitement légalement. J'étais pas du tout à contresens sur l'autoroute, c'était pas du tout dangereux. Voilà. Vous avez rien vu. Ça restera entre nous, c'est notre petit secret, hein. J'étais pas du tout à contresens sur l'autoroute, de toute façon, vous avez rêvé. Oui, vous pouvez remettre la vidéo en arrière, vous verrez que je suis dans le bon sens, hein. Non, mais sérieux. Alors, ma transbase, il passe pas de l'excellente musique en ce moment, hein, mais bon, je peux pas contrôler s'il passe à la radio. Et oui, je sais que je pourrais mettre mes propres musiques, mais toutes mes musiques sont sous copyright, hein, donc je vais éviter. Quand même. Ouais, sans le retour de force, je dois avouer que c'est pas génial, hein, mais bon, c'est pas grave.
On ira télécharger le logiciel pour le volant Driving Force Pro, c'est bon. Ah, c'est à 90 ici, je suis revenu sur une nationale. Mais je vais éviter de dire les cantonales, vu que les cantonales c'est qu'en Suisse. Je me suis rendu compte dans mes anciennes vidéos que j'arrêtais pas de le dire. En tout cas, le volant ça permet de prendre des virages de folie hein, sans ralentir. Et c'est cool. Je dois tourner là-bas? Bon, on va tourner. Pas de soucis. Bon, je dois pas tourner à la station service. Alors, je vais éviter de dépasser le camion. Hein. Pour une fois, je vais rouler à la même vitesse que le camion qui roule à... Allez, on va se mettre à quoi? 65 km/h? Non, à 65, je suis toujours en train de rattraper. Hop. Allez, 50 à l'heure. Eh ben, on peut enfin rouler, il a tourné l'enfoiré. Pour une fois là. Je peux rouler à 100 sur cette route, vous êtes sûr? J'ai des doutes, hein. J'ai vraiment des doutes. Bon, on va rouler à 100 quand même. Parce que, allez hop, hein. On est des fous dans nos têtes. Je suis pas sûr que j'arriverai à faire ça en 20 minutes de vidéo, hein, quand même. 300 km en 20 minutes. Pas sûr, hein. Bon, au moins je peux toujours rouler à droite. Je suis pas en Angleterre pour une fois. La route elle dit 100 km/h, mais bon, j'arrive pas à les atteindre déjà de base, donc voilà. Hein. Avec le retour de force, une vieille route toute pourrie comme ça, ça devrait donner sympa, je pense. Oui, je sais, j'arrête pas de vous taunter avec ça, hein, vu que de toute façon vous l'avez pas le retour de force. Mais c'est comme j'ai dit. Monter avec un camion devant, non, je ferai jamais ça en 20 minutes, hein, les gens. Désolé, mais bon. Là, je suis à 80, je suis en train de les rattraper tous. Youpi. Allez, on va se mettre à 70. Je veux bien rester derrière un camion pour une fois, vu qu'il y a personne qui a l'air de vouloir dépasser. C'est pas grave. Mais de toute façon, là, même mon limitateur de vitesse, il a du mal. Hein. Je suis à 70, il arrive pas à accélérer à plus de 53. J'ai le camion qui est pas abîmé pour une fois, tiens. Ah si, il me semble que j'avais des dégâts à la dernière partie. Je sais plus. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je peux conduire une main. Hein. Ouais, comme le prouve ma main là, qui vient de me gratter le nez. Comme je dis ça, la main qui vient de me gratter le nez. Genre, j'ai un assistant à côté de moi qui me gratte le nez tout le temps, vous saviez pas? Ah ouais, je suis riche, hein, maintenant que je travaille sur YouTube, attention, hein. Bon, c'est un assistant qui demande pas bien cher aussi, hein, faut dire. Putain, mais les gars, je suis à 70, je vous rattrape. Mais c'est pas possible, ça. Bon, on va rouler à 60. Bon, allez, on est bientôt sur l'autoroute, on s'en fout. Bon, une fois que je décide de pas jouer au trou du cul et de dépasser, de toute façon, je peux pas, hein, je me prendrai une voiture en face. Je me dis, j'ai eu mon quota de risque, hein, j'ai roulé à contresens sur l'autoroute. J'ai eu mon quota de risque, clairement. J'ai pas besoin de plus. Bon, grande question, est-ce que je peux prendre ce virage à 60 à l'heure? La réponse est oui, je peux prendre ce virage à 60 à l'heure. Il est interdit de dépasser ici, mais pourquoi vous mettez des panneaux interdiction de dépasser? Les gens n'ont jamais envie de dépasser dans ce jeu, hein. Je veux dire, même quand il y a un camion qui roule à 60 au lieu de 100, il y a personne qui dépasse. Je t'ai dit, de toute façon, dans ce jeu, les tracteurs, c'est les camions, hein. Pas besoin de foutre des tracteurs, on a déjà les camions. Ouais, je suis à 60 km/h, c'est la vitesse à laquelle va le camion devant. 40 km/h en moins que la limite. Si vous trouvez un camion qui roule aussi lentement dans la vraie vie, faites-moi signe, je veux le voir. Parce que c'est un mec qui ne travaille pas, il a juste acheté un camion pour lui, il a passé le permis camion et il roule avec des remorques qu'il a acheté pour lui. Hein. Il a pas de deadline, il a rien du tout, il a pas de quota à respecter, c'est juste un mec qui roule pour le plaisir. C'est ça ma théorie dans ce jeu en fait, tous les gens roulent pour le plaisir. Ça c'est très bien, il va au fond le camion là, il aura fini de me faire chier au moins. Allez, on y va. Ouhou. Tac. Ah, l'autoroute, la bienveillante autoroute. Parce que j'aime les autoroutes dans ce jeu. Allez, avance. C'est de saloperie. Voilà. Bon, ça va. Ça va, il reste 245 km. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire la vidéo jusqu'au bout quand même.
jusqu'à amener la marchandise. Pour une fois que j'ai pas de dégâts sur ma remorque, je vais quand même vérifier. Attendez, tac, si j'ai 6% de dégâts, mais ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Ah oui, ça va, j'ai mis le raccourci sur les touches pour atteindre et allumer les phares. Plutôt une bonne idée en fait. Je vais tourner là parce que je dois pas tourner. Ah si, je dois tourner au suivant, excusez-moi. Vous n'avez rien vu. Le mec le plus indécis du monde sur la route, c'est moi, quoi. Je sais jamais où je dois tourner. Le GPS, il m'indique mes directions à la dernière minute aussi. Eh oui, à une époque, les camionneurs ne pouvaient se fier qu'aux panneaux autoroutiers. Ils n'avaient pas le GPS, ils avaient des cartes de navigation pour lesquelles ils devaient s'arrêter pour les consulter. C'était l'époque obscure, ma bonne dame. Excusez-moi, je vais tourner, ça vous dérange pas? Merci. Lui, il a failli se prendre ma remorque dans le cul, mais ça va. Bon, bah, on va rouler à 120 quand même. Si je peux, si j'arrive à atteindre 120, apparemment oui. Et il y a un très léger retour de force, mais rien d'extraordinaire. Hein. Faut vraiment que je réinstalle le logiciel du volant. J'avais trouvé sur le net, vu que j'avais trouvé juste le volant à déchetterie, donc voilà, hein, après tout est dispo sur le net. Juste savoir où chercher. Accélérer jusqu'à 120, merci. Voilà, je fous le régulateur sur 120 et je roule comme ça. Non, je devrais réussir à faire jusqu'à la fin de la vidéo en 20 minutes là. 184 km, ça va. Hein. C'est pas énorme non plus. Bien sûr, il faudrait pas qu'on me remette sur une nationale avec les putains de camions en face. Parce que là, ça me mettrait un peu plus de temps, mais tant que je suis sur l'autoroute, je sais que je peux atteindre ça. Je planche sur une vidéo d'à peu près 25 minutes. Grand max. Vu la vitesse à laquelle j'enchaîne les kilomètres, là. Et sans le retour de force, en fait, c'est presque mieux, j'ai envie de dire. Il y a moins de résistance dans le volant, on peut prendre le virage comme on veut. On va quand même ralentir à 90, parce que je les sens venir, moi, les radars dans les tunnels, là. Comment ils nous font chier à chaque fois avec ça, cette bande d'enfoirés. En plus, j'avais dit que je voulais changer de camion dans d'autres vidéos, mais en fait, non, je vais pas le faire. Parce que c'est très bien, hein, ce camion, finalement, je m'y suis habitué. Il est très bien, et puis je mettrai peut-être des mods, par contre, pour avoir d'autres moteurs. Ça peut être intéressant. Ça y est, j'ai nouveau le droit de rouler à 120, ou je dois continuer à 90? Dites-moi tout. J'ai le droit de rouler à 100. Ok, j'accélère à 100, donc. Ah, moi, je suis les panneaux au pied de la lettre. Hein. Oui, je sais que c'est un virage un peu sec. Et là, j'ai le droit de rouler à 90 de nouveau. Ça servait à bien de mettre votre panneau 100, bande d'enculés. Va. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc que je trouve incohérent dans le jeu. On vous fout pas un panneau 100 pour 100 mètres. Hein. Tu restes à 90, vu que... voilà. Merde. J'arrive pas bien à m'exprimer, mais vous avez compris le principe. Pourquoi l'autre, il roule sur la voie du milieu? Je veux dire, je suis seul camion qui respecte bien l'imitation. Ah non, il roule plus vite que les autres, ceux-là. Putain, j'ai presque du mal à le rattraper. Ouah, des... Vous voulez dire que c'est un camion qui roule pas à 60 à l'heure sur l'autoroute? Ok, je comprends, il a pas de chargement, mais ça les a jamais empêchés de rouler trop lentement, hein, de pas avoir de chargement avant. J'ai de nouveau le droit de rouler à la vitesse. Je vais accélérer dès maintenant. Je sais, normalement c'est au panneau qu'il faut accélérer, mais bon. Ouais, bon. Il roule à 90, je lui laisse le bénéfice du doute pour ça, mais ça fait rien. Moi je peux accélérer à plus de 90, alors je vais me gêner, tiens. Tu vas voir ça. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai toujours autant de problèmes de copyright, hein, avec les radios, mais je ne... Et puis certains m'ont dit, mais pas la radio. Non, non, je suis désolé, c'est un trip en camion, il faut la radio derrière. Le jeu serait deux fois plus chiant sans la radio, hein. Je dis pas que le jeu est chiant, moi je le trouve génial, hein, après c'est une question de goût, mais moi, je trouve qu'il faut la radio dans ce genre de jeu. C'est évident. Putain, ici c'est limité à 120 alors qu'il y a des virages de fou, quoi. Va donc y couper.
Lyon, hein, vu que j'utilise de toute façon le volant que pour ça. J'ai essayé le volant avec Trackmania, c'est complètement injouable. Hein, on voit que c'est un jeu qui a été prévu clavier arcade. Donc franchement, le volant, c'est pas du tout recommandé pour Trackmania. Faut encore que j'essaie aussi avec Need for Speed, le dernier qui était sorti sur Steam, là. Je sais plus comment il s'appelle, j'en ai pas fait de vidéo, puis j'ai pas l'intention d'en faire vu que j'ai déjà fini le jeu. Mais c'était un jeu qui était très beau aussi. Aria, ouais, je suis sûr que c'est une parodie du Les Viva de Candia, hein, à tous les coups. Ils ont été à chercher loin la parodie, hein, pour, histoire qu'on évite de leur dire que c'était pas légal. Ça existe encore, le Les Viva de Candia, de nos jours? Sérieux? Ça fait des plombes que j'ai pas revu la pub à la télé. Bon, ça fait des plombes que je regarde plus à la télé, ça, ouais. Mais j'ai pas revu cette pub là, avec la nana qui demandait « Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?» Genre, une gamine va réellement demander ça. Une gamine, elle s'en fout de ce que c'est cette bouteille de lait. Enfin, c'était encore à l'époque où on essayait de faire des pubs mignonnes avec les enfants, mais ça rendait le truc... ça rendait le truc encore plus chiant, genre « Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice !» Deux paires de claques au gamin, moi, je dis. Non, je suis pas adepte de la violence, hein, du tout, mais là, celui-là, il m'énervait particulièrement au point que j'avais envie de lui mettre des claques. Allez, 114 km/h, bientôt 120. On va tous oublier le fait que j'ai roulé à contresens, hein, ça ne s'est pas passé, il n'y a pas eu d'accident de toute façon. Donc il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de témoin. Tout ce que j'ai à dire. Bon, les flics se sont quand même téléportés sur moi pour me foutre une amende, hein, ça... Excusez-moi, je dois prendre la sortie ici. J'arrive dans 12 minutes, eh ouais, j'avais raison, hein, à peu près 20 minutes, 25 minutes, ça. Peut-être moins en fait. Oui, je sais que ce n'est plus l'autoroute. Oui, je sais que c'est limité à 50, mais je sais aussi qu'il n'y a pas de radar dans le coin, donc je vais me gêner pour rouler un peu plus vite. Je vais arriver vite pour ma livraison. De toute façon, il n'y a pas d'habitation en proximité. J'arrive à München, je sais même pas où c'est, je crois que c'est en Allemagne. Le nom. München découverte, super, j'ai découvert une nouvelle ville. Ça faisait longtemps ça. Pour une fois, je vibre pas en Angleterre. Ça aussi, ça devenait rare. Est-ce que je vais gagner un niveau cette fois? J'espérais plus ou moins en gagner un dernière fois. Je dois aller là. Voilà. Je me suis. J'ai failli la louper, mais j'ai eu la sortie, ça va. Et non, je ne vais pas m'amuser à parquer ça avec le volant. Non, c'est hors de question. Déjà qu'au clavier, j'avais du mal. Hop, entrée. Raisonnable, oui, tout ça parce que j'ai fait des dégâts sur la morgue, bordel. Regardez-moi ça, ça coûte 17 389 € pour 6,5% de dégâts. Eh ben, j'ai pas eu mon niveau 11. Ouais. Bon, bah, on va s'arrêter là pour le moment. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori, tout ça me fait vraiment plaisir. Et si vous me rejoignez sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'est Nasmand pour vous servir. Ah, je vous arrête tous me regarder comme ça. Ouais, et toi avec ton sac à ordures sur la tête, tu crois que t'es pas plus bizarre que moi peut-être? Putain de merde. Où il est? T'es là, enfoiré? Tu sais quoi, je vais continuer à te regarder jusqu'à ce que ma vie elle remonte en entier. Ça va sinon?